Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike, et aujourd'hui on va parler de Black Ops 4 et de la nouvelle map qui est Alpha Omega. Alors Treyarch vient de publier une image à propos justement de cette map parce qu'ils ont mis hashtag Alpha Omega et ils ont mis une image du Regen Mark 2. Donc est-ce que ce serait un Regen Mark 4 ou alors c'est tout simplement le Regen Mark 2 élémentaire, parce que en haut vous pouvez voir en haut à gauche qu'il y a une petite capsule jaune, en haut à droite c'est rose, en bas à gauche c'est orange et en bas à droite c'est mauve violet. Donc ce qu'on peut penser c'est que ça ressemble aux cristaux, donc des bâtons élémentaires qu'il y a eu dans Black Ops quoi, tout simplement. Donc est-ce que ce serait un pistolet Regen Mark 2 avec les éléments des bâtons élémentaires de Call of Duty Black Ops? Ce serait franchement insane. Donc on n'en sait pas vraiment plus, c'est juste une image qu'ils nous ont postée comme ça. On voit qu'à côté de chaque capsule il y a un truc complètement effacé, donc à la craie en blanc comme ça, un gros truc, un gros rectangle blanc effacé. Donc est-ce que ça expliquerait, ou est-ce que ce serait une petite image pour expliquer l'effet que ça fait? Donc si ça serait en haut à gauche, ce serait une sorte de arc électrique, et pour les autres bah, ce serait autre chose. Et vous pouvez voir aussi que le nom de l'arme qui est en bas à droite a été effacé, et le nom de chaque élément, donc au-dessus de chaque élément et en dessous de ceux qui sont en bas, il y a une petite ligne comme ça qui a été effacée. Donc après peut-être qu'il y a moyen de déchiffrer ce qui a été effacé et essayer de le retrouver, mais bon, moi j'en ai pas dans mes capacités. Mais si jamais quelqu'un trouve des fuites ou des informations supplémentaires à propos de cette image, je vous tiendrai au courant. Alors c'était une petite vidéo information juste pour vous tenir au courant de cette news. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool Mec et ciao, peace.